On a pris très très cher. Alors, le chat doit au Bazgrim Channel sur YouTube, sur Twitter, donc sur votre Twitter, si vous avez Twitter. Vous faites @Bazgrim Channel YT comme c'est écrit. Et vous mettez un compliment sur la chaîne. Attends, on va relancer la cinématique en attendant d'avancer. On prend une aventure en cours. Et le deuxième. Il faut que je revende en plus. Faire tourner deux fois la roue. Et cumuler les bonus, malus. Pouvoir acheter un équipement pour un perso. Ça, c'est cool. Et pouvoir acheter un équipement pour un perso. Donc, pour deux persos. Ah, bah, ça tombe bien. Plus compliment. Eh ouais, faut de bons bonus quand même. Pouvoir acheter deux équipements. Alors c'est bien et en même temps non parce que je vais perdre du fric. Pour un perso. Où est-ce qu'on va pouvoir l'acheter ça? De sorcier, franchement, avec toi, j'en aurais pas besoin. Donc, voilà, aussi, ça coûte cher. Kikito, tac. Fromage glacé, ça coûte combien? 1400, on s'en sert pas. On vend. Yangus. Pierre philosophale, on va garder. On va garder. Et Angelo, on va tout revendre. Ça peut être le même perso, non? Justement, c'est le même perso. 72 000, ok. Donc, faut que j'achète certains équipements, mais pas trop non plus, sinon je vais me trouver en PLS. Où est-ce qu'on peut acheter? Trois angles? En pichou? Allons voir trois angles. Pouh, ça vient quand il faut, en plus. Hein. Mais garder un peu de fric. Faut vraiment garder un peu de fric. Ceux qui ont Twitter. Ou sur votre Facebook, peu importe. Hein. Mais Twitter. Ceux qui ont. Et on fera une save rapide encore avant de se relancer contre Raptorn. Qui aurait besoin de stuff surtout? C'est ça le truc. Qui? On peut le faire, hein. Ça dépend tout juste de Raptorn. S'il est violent ou non. Déjà, on va pas acheter des armes, ça sert à rien, il faut acheter des armures. Armure du géant. Qui réduit de 30 points les dégâts causés par des sorts de feu ou de glace. C'est bien, mais lui, il n'a pas besoin pour résister. Kikito non plus. 227. Bouclier, mais on n'a pas le rebouclier. Grand home. Pas grand chose. Et c'est tout. Il n'y a que ça ici. Pas intéressant, c'est pas intéressant. Où est-ce que je pourrais acheter une bonne armure pour Jessica ou Ruby? Ce serait le mieux. J'avoue que la résistance feu-glace c'est bien, mais Yangus, il en meurt jamais. La défense pure et dure. Alors. Homme de mithril. Cuirasse de brigand. Éventail, griffe de feu, épée d'Hermès, masse magique, y a pas de truc de défense ici non plus. Oh là là!
Est-ce que je pourrais acheter ça? Alors, Kusk. Allons voir. Prendre un petit peu de temps sur ça. Je sais pas si c'est mieux d'utiliser méga protection avec Yangus. Ou de faire pierre philosophale. J'espère que c'est pas le truc de jour-nuit qu'il faut pour les armures. Qu'ils vendent déjà tout. Ah, ah, c'est encore un bouclier. C'est que du bouclier. C'est pas cool. Est-ce qu'on s'autorise à annuler un malus sur un bouclier au pire? Pas droit au bouclier, on a le droit au bouclier cette fois-ci. Bac de templier qui traîne là. À moins que vous ayez des suggestions sur un endroit où je pourrais acheter quelque chose de pas trop mal. On s'autorise ça du coup, un bouclier? Allez, c'est gentil. Ruby. Et j'ai droit encore à un équipement sur un autre personnage. On reprend un bouclier de glace. C'est une certaine résistance aux attaques feu de glace. Rien qui augmente la résistance aux attaques de glace uniquement. Donc on peut prendre ça. Et cette fois-ci, ça va aller sur le héros. Ah, du coup, j'ai mal écrit ma phrase parce que c'est un équipement pour un perso. Donc je pouvais faire un perso, puis après un autre. Voilà, donc on s'autorise ceci. On va aller devant Pyrea, on va faire une sauvegarde rapide. Ça va m'aider un tout petit peu, mais ça va pas être grand-chose non plus. Un pichu! Allez, faut qu'on réussisse là. Avant 21h30, ce serait cool. Qu'est-ce qui se passe si on réussit pas? Est-ce que semaine prochaine, on fait notre session et je fais un petit peu d'XP? Je sens qu'on peut le faire, je sens qu'on peut le faire. Mais si jamais. Alors Jessica, c'était bien le brassard de météore sur elle, plutôt que Yangus. Je trouve que c'était plus préférable. Oui, je fais une sauvegarde rapide ici. C'est vrai que sauvegarde rapide. Et on est rôti par. Merci le câble. Je pense qu'au bout de 5-6 lancers de pièces, lance-mitraille, les dégâts vont s'affaiblir. Et on y re-reva. On va cacher les défis parce que ça prend de la place quand même sur le truc.
Ça commence déjà mal. Ok, souffle de givre. Et la boule. Un, deux, trois. C'est le nombre de fois qu'on va le faire. T'as pas soigné le bon du coup. T'as pas soigné le bon. Attends, j'ai fait quoi? Complet. Non, pas Jessica, sur Ruby. Ça va pas la tête. Ça a piqué. Mais je préfère ça que de taper. Ça va piquer encore plus. Oucha, 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 cha, cha, cha. Ah, adieu Yangus. Toi même Kikito. Bon, le début il est moins ouf que tout à l'heure. Hein. Mais ça veut pas dire forcément défaite. Ok. Ouf. Soins, soins complets, soins complets. Jessica, hop là. On va faire ça comme ça. On espère qu'Yangus résiste. Ok. Ah bah là la musique tu vas l'avoir. C'est vraiment du petit soin là, hein. C'est assez risqué. Il faut jouer avec le risque je pense. Un peu trop risqué, des fois. Tu tiens, bon, tu vas pouvoir mettre un coup de lance-mitraille. On va te soigner et ressusciter tout le monde. La pierre philosophale limite. Bah, je crois qu'elle heal pareil, non? 80-60? Tiens mon ami. Allez, on joue avec le risque, on a dit. Un coup de soin complet comme ça. Et on va mettre la pierre philosophale. Ouais, là c'est du 80. 80-70.
Et faire dans adieu Jess. Soixante-neuf, tu vois, un peu moins, légèrement. Vas-y, réveille Angus. Non, il dort toujours. C'est pas bien grave ça. Vas-y, je vais en avoir besoin. Il faut que le Raptor tape avant. Avant que je soigne. Parfait. Angus s'est réveillé et un souffle de givre. Comme ça, Munchie. Pouf, mange mon petit fromage. Lance mitraille, tac tac tac. Donc j'ai toujours l'isolation normalement en cours. Ok, on va faire soin complet comme ça. Et méga protection. Lueur, héros. Black! Toi, pareil, petite pierre philosophale. Donne-moi la pierre. Brick. Pas d'énergie. Au revoir les méga protections. Mais c'est un tour, il frappe pas. Et elle est soignée, elle. Cool. Cool, cool, cool. Comme ça, je peux remettre isolation. Direct. Et la pierre. Bon, ce tour-là, on a encore, enfin, ce combat-là, on a encore plus amoché qu'avant. Faut que je remette encore isolation, puisqu'il m'a des buffs. Coup de soin complet sur Yangus. En fait, ce qui est bien avec Yangus là, c'est qu'il commence en air position et donc il soigne pour après. Ah, peut-être que méga protection ça vaut pas le coup. Ah bah là, te fous ma gueule. Hein. Mieux en mieux, ouais, mais là, Yangus il obéit pas trop bien. Il aurait dû soigner après, tu vois. Là, j'aurais été amoché et je me soignais. Ça aurait été un peu mieux. En gros, faut s'y mettre à deux pour faire un multi-soin. Ah, Yankus, celui qui devait soigner. Et il n'est pas réveillé. Bon, déjà les soigner, c'est cool. On bourrine, on a dit qu'on bourrinait. On y va. Oh, le combat, il était beau. Oh, il était très très beau celui-là. Ah, bon bah. Merci. Je pense que les boucliers ont un peu aidé. J'imagine qu'on aurait pu le faire sans, mais écoute. Eh, on l'a défoncé cette fois-ci. On l'a défoncé, ouais. Oui, j'ai défoncé. Le mec est content, tu sais. Oh putain. Ah, ah. Merci pour votre pouvoir. Et pour vos cœurs, merci Tigalouche.
Nous avons sauvé le monde, ensemble. On a réussi, chef. On y allait et on l'a fait. Enfin, je peux rentrer dire à Harry et Fifi que tout est fini. Et j'ai quelque chose à dire à Alistair aussi. Il avait totalement raison. J'ai pu aller aussi loin parce que j'ai suivi mon cœur. Ça paraît pas bête, c'était de la folie, hein. Mais maintenant que tout est terminé, je sens que je vais m'ennuyer. Nous, on va pas s'ennuyer de toute façon sur la chaîne Twitch. Ça va continuer les séries. Eh, mais on l'a défoncé tellement rapidement là. Bon. Paris réussi. On va appeler les sept sages, vous les humains, vous me surprenez. Je fais toujours la liaison, les humains. On dit plutôt les humains ou plutôt les êtres. Ouais, les êtres humains. C'est mieux ça. Les êtres humains. Les humains. Mais ça fait bizarre de dire les humains. En tout cas, ouais, je suis content. J'espère que cette série, ce projet vous a fortement intéressé depuis le début. Même si les conditions au fur et à mesure, bah, il y en avait beaucoup au début, ça c'est normal, on commence. Et à force qu'on avance, bah, y en avait beaucoup moins. Mais pas mal de conditions qui m'ont compliqué sévèrement la tâche. Moi j'espère juste que ça vous a fait plaisir. Merci pour ceux qui sont abonnés à la chaîne Twitch. Même si là il y a beaucoup moins de personnes, mais vers le début il y avait pas mal de monde. Beaucoup plus de monde aussi en début de série. C'est dommage, après c'est parti, mais ça c'est logique, hein, ça fonctionne toujours comme ça. Donc merci aussi pour vos dons, vos abonnements, vos follows. On a gagné pas mal de follows, ça c'est cool. On est à plus de 200. Puis un gros merci, hein, franchement, à ceux qui sont restés là depuis le début. Qui ont suivi l'aventure. C'est un H-muet, donc on peut dire les humains, mais ça fait bizarre. Hein. On m'appelait Ramia. Mais je dois vous quitter à présent. Adieu, courageux humains. Les humains. Bah, la prochaine, c'est soit dans une ou 2 semaines. J'ai dit que je leur tirerai sur Twitter, Facebook et communauté. Là, il y aura le planning de Twitch, mais c'est pas forcément le cas. Donc on a toujours des Q5. Des Q5, on arrive aussi sur la fin. Je sais pas si on aura une autre série la semaine, puisque ça va reprendre, comme on sera plus en confinement et tout. Ah, la malédiction qui part. Mais ouais, DQ9, la prochaine fois, Only One. Va falloir qu'on joue un seul personnage, le héros principal. Je mettrai peut-être, par vote, vous savez, la création de personnage, on peut choisir la tête, les yeux et tout ça. Bah, je mettrai des votes avec l'image. Et vous irez voter, comme ça le premier épisode on pourra commencer avec ce que vous avez choisi. Ça peut être les trucs dégueulasses, les trucs beaux, peu importe. On prendra un garçon cette fois-ci par contre, pas une fille, et on l'appellera Keketo. Après, est-ce qu'on se donne des défis? J'aimerais bien mettre des défis et tout. Faudrait réfléchir à quoi, mais j'ai un peu du mal à trouver des choses dessus. Forcer les abonnements, faut qu'on soit beaucoup plus abonnés pour développer la chaîne Twitch. Parce que là, ça fait environ quelques semaines où c'est un peu plus la galère du coup. Bah, c'est cool si le concept vous a intéressé. À savoir que ce concept, en plus, j'y ai réfléchi depuis environ un an et demi, 2 ans quand même, avant de le mettre en place. Il y a eu pas mal de modifications dans ma tête et tout. Puis je trouve que le layout, il est plutôt propre. C'est juste en termes de texte, peut-être les conditions des abonnés, la rouge, j'aurais dû placer autre part, mais il n'y a plus trop de place tellement il y a de choses. Épée du héros quand même. Trudy, de retour. Ah, cette musique. Cette musique. Bon, je la mettrai après. Ah, gros merci en tout cas, un gros gros merci. Ça m'a fait plaisir de vous voir avec moi.
Bon, même si on était un peu moins dans la découverte, comme on connaît le jeu, c'est peut-être le Dragon Quest qu'on connaît le plus. C'est juste un peu vers la fin, par contre, il y avait quelques oublis, mais voilà. On s'est pas autant amusé ou rigolé comme dans Luigi's Mansion 3, où là, franchement, je me suis tapé de bons délires. C'était totale découverte et en plus en live. Mais c'était un autre divertissement. Ah, puis vous avez dû bien rire aussi, hein, des fois. Hein. Mes galères et tout. Hamburger. Et je remercie pas aussi c'est ceux qui sont en rediff, ceux qui regardent la rediffusion, parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde sur le Twitch. Merci aussi à vous. Mais venez sur Twitch! Venez sur Twitch! Dream Channel Live! Ça y est, en description de vidéo. Regardez ces deux flammes. Ça ressemble à mon balcon. C'est les mêmes boules. Ouais, hein, voilà, Tigalou, je vais vous engueuler sinon. Angelo, adieu! Dommage, on n'a pas eu le malus. Angelo meurt. Mais la plupart des bonus et malus, ils sont passés. On va voir les crédits de fin. Hop, moi j'ai posé un peu la 3DS comme ça, sans trop toucher au fil. Parfait. Parfait, parfait. Plusieurs mois plus tard. Ah oui, il y a ça avant. Le mariage. Est-ce qu'on fait le mariage? Mais Dragon Quest, il y en aura en live, ça c'est clair et net. Déjà, on va revisiter les Dragon Quest qu'on a joué sur 3DS, sur DS, mais dans leur version sur ancienne console et 3D. Il y a des Q7. En ce moment, on fait des Q5. Bientôt, peut-être des QMJ3, grâce au traducteur Sphinx. Je crois qu'il y a Tigali aussi qui a travaillé dessus et peut-être d'autres personnes. Donc, il y aura ça. D'autres jeux Dragon Quest en anglais qu'on pourra faire en live. Non, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de trucs. Allez, on va faire le mariage ensemble. Il est pas 21h30, on a tout notre temps. Ça faisait longtemps, bah. On t'a laissé dans la chariote depuis des lustres et des lustres. Ça a pris combien de temps, ce projet? On l'a commencé quand? Novembre? Octobre, novembre? J'allais en haut. Vite fait. Ouais, vite fait, c'est-à-dire que t'as travaillé comme dessus. Mais ouais, un gros GG à Sphinx, hein. Je vais faire quoi maintenant pour ce live-là? Bah là, on va participer à mon mariage. Après, ceux qui sont sur le chat, sur le live, restez avec moi. Kaimino Jess. Désolé, on a voulu te tuer. Et de toute façon, c'est après Raptand qu'on peut faire son mariage. Puisque dans la version 3DS, il y a un mariage secondaire. Avec Jessica. C'est pas là que je dois aller. Vous pouvez m'en laisser ouvert. Yeah! Et il met des choses derrière les portes. Bon. Flemme de faire les autres.
Je fais que passer, désolé madame. Oh, ils ont fermé l'autre, sérieux. Ça s'est ouvert. De toute façon, t'as un vrai wiki sur pattes, hein, t'es louche. T'as tellement de connaissances sur l'univers. Et en même temps, sur pas mal d'univers, hein, tu t'intéresses énormément aux choses alentours. Et là aussi, c'est fermé. J'aime bien, il y a certaines portes qui sont ouvertes et d'autres qui ferment. Genre celle-là, pourquoi la laisser ouverte si après c'est fermé? Si je laisse. Il faut que je redescende du coup. Si on pas t'es pas cul. Ah merde. Je voulais pas aller là. C'est d'où je viens. Soit par là, soit à gauche. Qu'est-ce que vous voyez? Ça mène dehors. Je reviens toujours pas à le raptor de comment on l'a défoncé la troisième fois. J'ai demandé à l'un de tes amis de te remettre un message. L'as-tu reçu? On va dire que non. T'attendais dans sa chambre, tu dois l'accompagner jusqu'ici. Ah, mais oui! Ah, ça a pris du plaisir, écoute. Ça me fait plaisir. C'est tout con, mais ça me fait plaisir, franchement. Sa chambre, c'est où? C'est là. Il faut que je remonte. On est d'accord. Et c'était les grandes chambres. Et du coup, je lis pas. Je regarde même pas le jeu pratiquement. Regarde le chat. Mais elle était un peu plus gentille aussi sur ses sorts et aptitudes. George Boyson, faire conjuration, je crois. Ou peut-être un seul. Mais. Elle était plus sympatoche. Medea aussi, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Salut Loïc! Sacré Loïc. Oh Loïc, son. T'en as raté des choses, hein. Et ouais. Quand tu commences, eh bien c'est fini. Grosse baston, hein. Grosse, grosse baston. Medea. Enfin, je dis mon mariage, mais de base, c'est pas mon mariage. Pour ceux qui connaissent pas. Oui. Toute façon, on sera dans les temps avec ça. Trop bien. En soi, on est passé à travers deux conditions parce qu'on était bien bloqué. Savoir si c'était des petites choses, mais bon, on est passé à travers quand même.
En fait, je pense que c'est pas que le problème, ça va devenir de Twitch parce que je suis à 200 MB là. Ok, je sais pas. Après, moi, je balance du 60 000 avec Streamlabs, mais lui en débit sur Twitch, il voit du 6139. Donc en gros du 6 mégas. Avec Charnul. Avec l'arc démon, je sais plus quoi là. Ma pauvre, il va te bouffer. On passe vite fait, hein. Trop bégette, Médéa. Trop bégette. Fiche, trop d'iontre. Ah mes démons, voilà. Oh, ah mes démons. Ah tes démons. Ah mes démons. Ah ces démons. Undertaker. Let's go! On est à la cathédrale de Savella. On sort par là. Ah, mes démons! Suivez-moi, petite brebis égarée. Un beau moment que tu rates peut-être à moitié aussi. Ouais, c'est fait exprès parce que ça va être insupportable. Non, mais poussez-vous. C'est beau graphiquement. Ça charge. Nyon. Pixelisé à mort et tout, et flouté les personnages. Et sortez Dragon Quest XII, s'il vous plaît! Multiplateforme. PC, PS4, pas Xbox, on s'en bat les couilles. Switch, sortez Dragon Quest XII. En même temps, que ce soit japonais, européen, américain, tout en même temps. Rien à foutre, moi je te rentre dans le lard. T'as pas qu'à avoir une tête de Krusty Bat, allez bim! D'ailleurs Loïc, aimes-tu le Smecta? C'est une 3DS, ouais. Le truc en 148 pixels. Trop bien cette console, waouh! Quand même elle était surestimée. Hein. Maria a disparu. C'est Yangusa. Moi aussi, je veux taper. Moi aussi. Oh. J'ai pas le droit de taper. Qu'est-ce que t'es délicieusement moche. Bon. Le personnage, le PNJ, il est en 2D. Donc il est tout plat. Déjà, on voit que ça grésille juste en dessous de lui. Hein. C'est bien dégueulasse. Et il a une hitbox assez bizarre, hein. En 3D, je passe à travers ses pas. Mais bon, allez, on continue.
Jolie esquive. Il se bat avec un bâton de cyprès. Il est fort, hein. Très très fort. Oh, elle est trop belle. Elle est jolie la robe de mariée quand même. Ah, je pas... Non! Ah, j'ai pas le droit à l'appareil photo ici. Oui, alors ici, si, tournez manège, attrapez le pompon avec notre cher héros Kiketo. Attrapez-le, vous gagnez un autre tour. DJ, DJ, DJ Kiketo. Mais d'ailleurs, ce que je faisais en fait, c'est que je tournais la caméra avec L et R, mais comme la caméra ne bouge pas, bah ça faisait bouger mon personnage. Moi aussi, je veux une Médéa. Si mignonne, si gentille, si brune. Mon fer a fondu. Nani Tekuro. Ah! Comment se fait-ce? La chaleur, tu l'as mis quelque part où c'était un peu enfermé, la chaleur elle a un petit peu tourné aux environs et ça a fait. On a retrouvé tes couilles, Charnul. Enfin, ta couille. Princesse Zelda. Oh, ma bille est aussi en 2D. Oh là 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 là. Le dentier en 2D. Ces fleurs. Oh, franchement, ça, sa robe, elle est sublime. Hein. Il n'y a pas de foufou, rien, mais elle est stylée. J'aime bien. Lui aussi, je l'aime bien. Allez, ma douce. Après toi. Voilà, gentleman en plus. L'heure d'aujourd'hui, ça sait plus les reconnaître. Au revoir, mes amis, on se reverra. Ruby, Yangus, Angelo, Jess. On s'en passait des choses. Et voilà, les crédits de fin. Bon, de toute façon, j'ai fait mon speech tout à l'heure. Ah. Donc c'était Dragon Quest 8 3DS. Choix des abonnés. Il y a de l'eau partout. On respecte les créateurs. Et on va les laisser. Donc si vous voulez, vous sur le live, restez à la fin. Je vais faire une coupure et après je vais relancer. C'est juste pour avoir la rediffusion et pour la télécharger. Parce qu'après je la mets directement en ligne sur YouTube et... Et je l'insère dans plusieurs épisodes.
Tiens, pour le fun, on va voir sur quoi on serait tombé après. Ouf. Eh ben, on a eu chaud. Jeter deux équipements sur un seul personnage. Je peux changer une condition pour la session. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Annule un malus. Le chat toi nani nanana. Hop. Plein. Faire tourner deux fois là-haut. Ok. Ok. Ouais, bon, j'ai eu quand même un peu chaud, hein, parce que l'autre était un peu plus moche pour nous. Oh, il n'y a personne qui a joué le jeu sur Twitter. Je suis triste. T'as vu? On est dans les temps. J'adore quand on finit comme ça. Ce Sylvos. Appel à 20h52. J'en peux plus de lui, j'en peux plus. Ok, sur Discord. Bon, ça me va, Discord. On va lire du coup. Ah, ça monte pas Discord? Non, ça monte pas Discord, ça monte que Twitter. Oh, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, je vais le lire. Alors, Tigali, j'ai pas Twitter, alors je pose ça là. Tu as du courage. Et tu vas poutrer du Raptor, j'ai confiance. Aussi ta mèche devant le front, elle est soit t'as une tête bizarre, mais je. Hein? Une tête bizarre? J'avoue. Faut pas se mentir non plus. Sphinx, je copie Tigalouche. Tu as très gros courage d'avoir fait ce jeu avec les conditions que l'on t'a imposées. Tu es vraiment quelqu'un de super sympa. Merci, Yanti. Ah ouais, elle est pas mal ton petit gluant sur. Avec le fer à souder. Bon. Ce qu'on peut retenir. C'est que j'ai une tête bizarre. Non mais la jeunesse d'aujourd'hui respecte plus rien. C'est fini. C'est fini. Ah. Bordel de merde. J'ai fait la guerre pour ça moi. Pour des perches à selfie. Pour du Snapchat. Et en plus il le sait, Sylvos, c'est bon. Mais bon, c'est Sylvos, hein. Qu'est-ce que tu veux faire de lui? Qu'est-ce que tu veux faire? Le revendre? Ça vaut rien sur le marché, hein, Sylvos. Ça vaut rien. Même si tu mets atout chancelard, ça vaut rien non plus. Ouais, et c'est ça. Il faut être unique dans la vie. Oh. Mais j'ai quand même une tête bizarre. Et encore, payer quelqu'un, je suis sûr que la personne ne voudrait même pas. Même pas. Non, même pas, même pas. Simpligone. Ils ont voulu faire un soleil, mais ils l'ont coupé en deux et ça a fait. Square Enix. Merci pour vos jeux. Je suis désolé, hein, je suis pas Final Fantasy, mais Dragon Quest. Bah non, 2004. 2004.
2015-2016. Ouais, bah ça rajeunit pas cette merde. Exactement. Mais bon, pour être accepté dans la vie, il faut suivre. Il faut suivre, il faut être semblant. Ouais. Oh. On les pousse direct, c'est bon, allez, let's go. Attention, c'est toi ou ta fille. C'est toi qui choisis. Et voilà, la fin. Je vous laisse dire au revoir à YouTube et après je coupe. Ah, ça fait plaisir de rejouer Dragon Quest 8, hein. Franchement. Franchement, je pourrais même me le refaire. Hein. Sans aucun problème. Et donc on l'a fait environ en 42 heures et 30 minutes. C'est propre, c'est propre. Le journal a été sauvegardé. Ça, c'est pour le post-game. Bien sûr, on va pas le faire pour cette série. C'est vraiment la fin de la fin. Mais il y a encore des choses à faire. Assez violente en plus. Et du coup, sur YouTube, sur Rediff, je vous fais aussi des bisous. Soccer, merci d'avoir regardé la rediffusion. Mais venez sur Twitch. Venez. Merci Square Enix. Merci à tous.